Allez, c'est parti, la grande finale de 2X. La grande finale de 2X. Donc, on a Zargat Chun-Li contre Kuni Ryu. Ouais, c'était un beau petit tournoi aujourd'hui. On était une vingtaine. Je sais plus, on était même 24 à 2X. Et donc voilà, c'était bien cool. Et c'est l'heure des finales. Allez, tout de suite, Kuni qui met le pressing avec des Solar Plexus. Oh, bien là, le close de HP en entière. C'est parfaitement utilisé. Sous MP. Encore. Ah, dommage. Pas de troisième sous MP. Il va peut-être même plus tenter de mettre la super directement. Allez, ça cherche là, la distance, le bas MK. Eh bien, Shakunet, il n'y a pas de garde chez Zargat. Il était concentré sur autre chose. Et là, ça a chopé. Voilà, ça chope forcément. La chope qui fait autant de dégâts qu'une super. Pas qu'une super, mais qu'un 3-6 de Zangief. Oh, le sauvi de balayette directement. Pas de garde chez Zargat. Ouh là là, attention sur la boule entière. Et pas de dragon. Malheureusement, il a raté la manip. Allez, 1-0 pour Zargat. Premier round. Premier match. Premier round. Allez, bon dragon là, entière. Et c'est rendu en reversal parfait. Le safe jump était raté. Une chope pas déchopée. Ça fait bien mal, ça envoie. Kuni dans le coin. Parfaitement là, utilisé là, le saut vertical. Et bien joué, 2 hit combo après cette boule. Allez, un peu en difficulté, Kuni. C'est l'heure de la remise en question. Allez, bien la balayette là, anti-optique. Allez, ça a presque chargé les barres déjà. Allez, ça y est, maintenant c'est l'heure de l'offensive. Il y a la barre de charger les deux côtés. Bien joué, la super directement. Le dragon qui évite une super, même si c'était plutôt une tentative d'anti-air. Un tentative de whiff punish de la balayette avec l'autre balayette de Chun-Li. Allez, petit avantage de la Kuni, tranquille. Ah, ils ont déjà rechargé chacun une super dans ce premier round. Allez, super, sorti malheureusement trop tard, qui peut pas whiff punish, il retombe dans la boule, et c'est la mort. Un round. Qui c'est qui a gagné là, Fighting Liar? C'est toi qui a gagné? Tu joues contre MC Mike. Trouvez MC Mike. Allez, bien là, le phare gros point. Entière. Va chercher. Ok. Ok, ça marche. Allez, ah dommage, sorti un peu trop tôt là, la super de Chun-Li. Et bien joué le dragon. Partout. Hein? Bad Blood Victoru. Pour Rappeur Tugemitsu. Rappeur Tugemitsu. Allez, ça continue. Ah, encore un dragon. Dommage, c'était pas. Il y a eu un petit trade. Bon, quand même bien favorable hein, pour le dragon de Ryu. Allez, la super. Et un autre dragon. T'as complètement le temps de voir ce qui se passe. T'as le temps de réagir largement avec ce genre de choses. Ouh, tentative de chop après le saut LP. Ça se soldait en un espèce de Solar Plexus Nigé. Un Nigé Plexus. Hein, ouh, dommage le dragon, attention ça va faire mal. Ouh, ça va, il n'y avait pas la super en combo. Avec un tout petit peu plus d'exé, regarde, il aurait pu nous mettre la super là, ça aurait été bien sympa. Bien stylé. Allez, bien, ça va le faire gros point. Un tiers de qualité. Allez, bien joué Hadouken là, mis dans le coin. Oh, gros point. Il n'y a pas la garde. Bien joué. Victoire de Kuni. Pas de reset de braquette. C'est Kuni qui l'emporte. Bien joué. Allez, on va enchaîner sur le jeu. Et je vais encore finir deuxième. J'espère. Allez, franchement, mec. Allez, bon match. Dimitri, tu vois, il a une médaille. Fais-toi
Allez, je reprends les commentaires. Finale Vampire Savior qui va opposer Tom qui nous arrive des Winner Brackets qui joue Lay Lay face à Easy Morn qui vient des Losers, qui a remonté une bonne partie des Losers Brackets avec son Dimitri. Donc comme d'habitude, il va finir deuxième. Et en plus, la particularité, c'est qu'il a fini deuxième dans tous les tournois Vampire dans lesquels il était là, et à chaque fois contre une personne différente. Donc là, je vois pas de raison pour que ça se reproduise pas. Allez, Demon Credu. Sendefto. C'est très bien parti en tout cas pour Tom, ouais, qui remporte, qui a une grosse avance sur les Imandes. Ah, c'est dommage, pas de confirme sur ce bas moyen point. Ouais, Tom qui a des combos sympas avec sa Lay Lay. Puis bah, évidemment des gros pressings, hein. De toute façon c'est la force de ce perso. Hein. C'est pas un perso qui a une très bonne défense. Quelques projectiles entiers, mais rien de dingue. Ah, il y a des bons Chicken Hit, ou je sais plus comment ça s'appelle là, les espèces de break CD aériens. Ouais, ça c'est pas mal. C'est une lefto. Là il a fait, il s'est relevé en tech arrière, ce qui était bien vu parce que ça évite la Fury overhead de Lay Lay. D'ailleurs c'est marrant, je croyais qu'on avait mis le jeu en version japonaise là, pourquoi on a les noms américains? Bon c'est pas grave. Allez, chatroulette, chatroulette plutôt, chatroulette. Allez, Zimorn, il faut qu'il y croit, il peut encore revenir, ça va être chaud. Ouais, bien joué, le démon, ça fait bien, bien mal. Et là, ils en sont où là? Ouais, ils ont beaucoup de barres côté Zimorn, là, c'est le moment de faire des démons, absolument. Mais, c'est ce lot est confirmé par Tom qui s'offre le premier match. 1-0 pour Tom. C'est la grande finale. Allez, François qui réfléchit. Allez, ça démarre pas trop mal pour Easy Morn. Chatroulette. Allez, ça c'est bien puni ça. Quasi statu quo entre les deux joueurs, y compris au niveau de la barre. Ouais, putain, bien joué là. Bonne défense d'Easy Morn là-dessus. Ouais. Double touche sur le Shoryu, c'est plutôt en faveur de Dimitri, même très largement. Alors là, il a bien fait de mettre sa garde, parce que je crois que c'était le projectile qui instant stun. Allez, bonne avance là pour Easy Morn et Dash Dragon, un classique de Dimitri. C'est une lefto, ah, c'est n'importe quoi. Cette furie, elle est trop pétée, elle touche devant, derrière, overhead instantané, c'est très fort. Allez, en tout cas, une avance plutôt solide, hein, même très solide de la part des Imorn. Ceci dit, ça peut vite se retourner. Ouais, oh là là, il y a des phases bizarres. Il se remet dans le coin tout seul, Tom. Mais bon, pour pouvoir rajouter un peu de hit ou au moins de gratte. Ouais, ça, c'est tout de suite arrêté par une balayette. C'est assez bizarre, mais... Oh là là, mais il faut break CD, ça. Ah, il a peut-être pas de coup aérien assez rapide pour break CD. Et du coup, il risquait de prendre en hit. Allez, par contre, grosse avance des Imorn. Là, c'est quasiment fini. Ouh, bien joué. Bon combo, ça. Allez. Ça lui permet de récupérer sa barre de vie. C'est une lefto. Oh là là, ça fait 3 fois de suite qu'il la touche en étant derrière. Qui a gagné? Et c'est la victoire d'Easy Morn. Bien joué. Il revient à un match partout. Faut encore y croire. Mais il les collectionne. 6 au match d'avance, 7 maintenant. Allez, on passe dans le stage de Dimitri. Bad Blood Victory. Mr. Mike contre Vigor à Fighting Layer, s'il vous plaît. Les gars, enchaînez les matchs de Fighting Layer. Hein. Allez, les gars, attendez pas que je vous les lance là. Allez, Easy Morn qui est bien parti. Pas si bien que ça d'ailleurs, non. Voilà, si là il revient. Quasi égalité entre les deux joueurs. C'est assez serré en tout cas. Easy Morn a bien joué dans le deuxième match. On va voir. Ouais, il active le Dark Mode. Je sais pas trop pour quelle raison. Ah oui, d'accord, c'est la version chauve-souris. Ouais, c'est pas mal offensivement, ça rajoute des hits. Ouais, par contre, il a un bon recover quand même sur la fin. Ça lui a en tout cas permis de prendre une avance solide. Ouais, bien.
bon combo. Ah là là, et Tom n'empêche que quand il ouvre la garde, généralement c'est combo max. Hein. Ça finit quasiment systématiquement par la glissade qui, bon, sans faire des dégâts exceptionnels, met à terre et permet justement les mix-up Fury. Mais il fait un peu trop justement le mix-up Fury overhead. Je pense qu'il faudrait qu'il essaie de faire des lots de temps en temps sur la relevée. Après, le problème de ce jeu de bourrin, c'est que les gens se relèvent systématiquement en tapant. Et donc, c'est pas forcément toujours génial. Ouais, c'est ça, c'est comme Street 5 ce jeu en fait, les gens ils se relèvent en tapant statiquement, genre y a pas de garde. Allez, reset de braquette par Easy Morn. Ah, c'est un reset de braquette. Reset de braquette. Ah, François qui s'enflamme. Allez, Mr. Mike contre Vigor s'est lancé. Ensuite, il faudrait Bad Blood contre Victor U, prochain match à Fighting Lair s'il vous plaît. Hein. Essayez de prévenir les joueurs. Trouvez les gens s'il vous plaît. Trouvez les gens. Attendez pas que je lance tous les matchs s'il vous plaît. Allez, donc reset de braquette à Vampire. Easy Morn va-t-il remporter son premier tournoi de sa vie? Allez, pour l'instant, petit avantage pour Tom, mais rien d'exceptionnel. Immédiatement rattrapé par un petit combo d'Easy Morn. Allez, dash boule. Je sais pas si c'était un dash dragon raté, j'en sais rien. Peut-être que c'était simplement un dash boule. Allez, là c'était un dash dragon, mais celle-ci a bien été carotté et puni par une balayette. Ouais, dommage, le combo raté côté Tom. Ah, ce projectif, vraiment, quand il touche, c'est excellent, ça fait des bons dégâts. Ah, mais c'est tout le temps la même chose, il se passe tout le temps la même phase en fait. Il fait la Fury, Easy Morn fait une tech avant et il se la prend quand même. En fait, il y a quand même un air de répétition dans tout ça. Moi, je pense quand même que Tom devrait varier un peu plus ses phases. Parce que c'est du coup, même si ça touche en fait, ça fait très très peu de dégâts pour une barre. Je sais pas si ça vaut spécialement le coup. Après, on peut dire aussi que toute ouverture est bonne. Ah, bien joué, sauvé de l'eau, sauvé de bas petit point et. Il va comboter. Ah oui, si, oui, il combatte, ouais, bien joué. Et là, l'overhead qui passe. Bah là, pour une fois, Easy Morn n'a pas taqué vers l'avant. Et du coup, il prend la Fury quasiment en entier. Et là, ça fait très très mal. Hein. Gros retard. Victory, ok, ça marche. Donc, Mr. Mike Vigor et le vainqueur joue contre Victory. Allez, victoire de Tom. 1-0 après ce reset de braquette. Allez, Vigor again. Bon, c'est un peu dommage que j'ai géré un challenge en même temps que commenter les finales. Ça, c'est pas terrible, hein, mais c'est comme ça. Allez, Easy Morn, faut y croire. Au moyen de revenir. Est-ce que quelqu'un peut aller chercher Big Nog pour qu'il prenne la gaine de ce match? Et s'il est plus là, on le met forfait. Les gars, je compte sur vous. Hein. Allez, faut que je puisse commenter Vampire là. Faut pas que je m'occupe de ça. Hein. Allez, cette furie est terrible hein, parce que ça pousse dans le coin, même si c'est en garde en fait, il y a des gros mix-up possibles. Et dès que ça ouvre la garde en fait, il suffit de confirmer par l'OTG, c'est vraiment très très bien. Et des super furies les hein, elles sont vraiment bien, hein, les deux, entre la version avec les grandes lames et l'overhead avec les boules. Ouais voilà, là dommage, il a tardé un petit peu à confirmer son OTG, bien joué le bas gros point, ou c'est arrière gros point je crois ce coup. Ouais, des bons commandes move Laylay. Un peu lent, mais en fait, vraiment des bons normaux. Ouais. Il utilise beaucoup cette furie là, en fait, mais je pense que c'est presque pour gagner de l'avantage. Ouais, ça devrait tuer. Allez, bon avantage pour Easy Morn là. En plus, il a pas de barre blanche à rattraper, donc en fait, il a pas spécialement besoin de temporiser. Il peut continuer à mettre la pression. Là, justement, le but ça va être de crever le plus tard possible. Ouais. Histoire que la Lele ne reprenne pas sa barre blanche. Ah là c'est parti. Gros dégâts. Beaucoup de dégâts blancs comme souvent sur les OTG. Je crois que c'est systématiquement le cas sur les OTG, y compris les versions EX. Et là du coup c'est Tom qui reprend un petit peu. Non, il reprend plus, pas vraiment l'avantage. Ouais, cette chop le remet bien. Easy Morn a beaucoup de barres, c'est le moment de faire des démons un peu. Et bien joué. Oh, je sais pas où la barre de vie de Tom est passée. Mais Easy Morn a bien défoncé son adversaire sur ce dernier bout de match. Et donc on est face au match final entre les deux joueurs. Easy Morn a un match de la victoire, il change de couleur pour son Dimitri, il prend couleur Mitsu pour conjurer le mauvais sort. Allez, ça démarre pas trop mal pour Tom, mais rien n'est fait.
Allez, bien joué. Confirme tout simple, hein, 3 hits, mais ça met à terre, ça fait des gros dégâts, énormément de dégâts blancs. Côté Tom, il faut vraiment temporiser côté Tom, parce que sinon ça va être la première perte de round bien sèche. Allez, bien joué, gros combo. Ça fait gagner du temps et ça fait des dégâts, ça c'est très bien. Du coup, il a pu récupérer quasiment toute sa barre blanche. C'est pas trop mal. Allez, c'est le moment de confirmer. Ah, il a voulu être gourmand, en fait, attendre un petit peu avant de mettre l'OTG. Rajouter un hit ou deux hits de plus, pardon. Et au final, ça a whiffé, mais c'est pas grave. Quasi égalité entre les deux joueurs, c'est vraiment serré, hein. C'est une belle finale, c'est assez sympa, c'est équilibré. Le vainqueur, il joue contre Big Noble. Ouais. Allez, bon, j'arrête vraiment de gérer le challenge, c'est n'importe quoi là. Les gars, franchement. Allez. Quasi égalité entre les deux joueurs, mais ça va être serré jusqu'au bout là. Les deux joueurs la veulent, hein, ils ont jamais gagné de tournoi. Tom qui est quand même un vrai passionné du jeu, Easy Morn aussi. Ils mériteraient chacun de remporter la victoire. Là, c'est Tom qui a un petit peu l'avantage. Mais c'est loin d'être fait. En plus, Easy Morn, il a de la barre, il a 3 barres, donc ça veut dire qu'il peut faire ses grosses furies. Par contre, beaucoup de dégâts blancs, faut temporiser côté Easy Morn. Attention, temporise. Ah là là. Ah, c'est quasiment fait pour Tom. Ah, c'est pas safe ça. Ouais, bien joué, la gare est bonne. Ouais, il a repris pas mal de vie. Ouais, quasi égalité entre les deux joueurs. Ouh, ça va tuer. Ouh, ça vit. Victoire d'Easy Morn, in extremis. Beau comeback. Easy Morn remporte le premier tournoi Vampire Sévère de sa vie. Sa mère doit être très fière. J'aurais dû m'inscrire. Est-ce qu'on peut remonter le temps? Tu le passes comment le micro? Tu mets sur ta bouche et tu parles. Non, mais faut que je le déplace quand même. Non, tu te mets là, tu viens, t'as les matchs là. T'es en quasiment en simultané là. Poil de cul, t'es en simultané. Ok, c'est parti. Finale Karnov avec Mitsu Zazi, Karnov, Zargat, énième finale entre les deux. Alors voilà, des mille mains, stun, on fait le bug, des mille mains, Hellfire, et voilà, c'est un perfect de Zazi, Mitsu. Ça part bien pour Mitsu. Qui c'est qui est en winner? Okay. Allez, c'est reparti. Alors le balloon, c'est bien gardé du côté Mitsu. Hellfire. Mille mains. Et voilà, c'est le stun. Et ça. Ça ne tue pas encore. Mitsu garde le balloon. Hellfire. Il continue de garder. C'est une garde incroyable de Mitsu. Il toque aux mille mains. Il cherche le stun peut-être. Hellfire. Mille mains. Et c'est le stun. Oh, il ne tue pas, il veut pas tuer son adversaire. Et voilà, ça y est. Voilà, premier match gagné par Mitsu. Balloon, ça s'esquive. C'est contré par Mitsu. Il est sur le point d'être stun, cela dit. Voilà. Le dash avant Hellfire. Chop. Le chop qui fait pas de dégâts. Chou. Allez, c'est parti. Une main. J'essaie de zoner, mais non, c'est le stun pour Zazi. Et c'est le combo qui devrait tuer. Non, il garde. Et non, c'est impossible de garder ce balloon devant, derrière. Le style de Karnov. Plus grand personnage de l'histoire. Allez, c'est parti. Deuxième round. Mille mains. C'est contré par Agathe. Hellfire. Mille mains, c'est sur point des stuns, c'est stun. Zazi va. Voilà, le bug est mille mains. Il continue à presser avec mille mains. Et c'est gagné pour Mitsu.
Allez, round 3. Ouf. Final round, fight. Une main directe, Hellfire. Oh, ça s'esquive. Ah, Zargat arrive à mettre du dégât, il confirme. Hellfire. Balloon. Le Balloon est bien bloqué par Mitsu et il arrive à stun avec ses mille mains. Il continue à faire le bug, il rate rien. Ah. Malheureusement, il tue pas. Il esquive le Balloon avec le dash. Il se regarde dans les yeux. Ça poke, mille mains, pied. Et voilà le Hellfire. Et voilà la victoire de Mitsu. Et voilà, c'est la fin. Victoire Mitsu. C'est déjà fini? Ouais. Vas-y, non, c'est pas encore démarré. À quoi Big Dog? Alors, est-ce qu'il y a du monde sur le chat? J'ai pas l'impression. Bah je suis pas là, moi je suis parti du coup. Je peux essayer hein. Allez ouais. Allez bah c'est parti la finale. Mitsu, ouais, Mitsu winner, 0-12h, donc Ken contre Oro. Hein. Ça commence par une ouverture par dragon direct. Allez, petite boule, c'est parti. La chope, ça passe. Ouais, ouais, les dragons Dex. Oh, un petit pari. Ça parie les boules. Allez, 0, hein, je suis un peu partisan. Ah, ça y est, Ken il a ça, c'est super de charger là. Ah bah, MP, il est super, voilà. Et voilà. Ah non, c'est pas mort, c'est pas fini. Oh, oh, joli, beau pari du dragon. Est-ce qu'il va arriver à tuer avec ça? Ok, ouais, donc il a, c'est bien, il a gardé ses barres pour le prochain match. Allez, premier round pour Mitsu. Sa zone à la boule. C'est en zone le double jump. Euro. Et voilà. La super de Ken encore. Comme d'hab. Ah, le dragon expiffé, ça passe pas. Punition max par Mitsu. Voilà, là, 0 et faut qu'il déchire le cul s'il veut y arriver à faire quelque chose là. Parce que c'est mal parti pour lui du coup. Et voilà, bah, il s'est pris la boule là. Premier match remporté par Mitsu. Two wins straight. Est-ce que ça va changer les persos? Non, ça change pas les persos. Toujours SA3 pour les deux. Allez, hop, oh, le Tatsu en ouverture, je sais pas. Oh, ça Tatsu, ça touche. Ah non, le dragon, voilà. Cette fois-ci, 0, ça a pas marché. Mitsu connaît les phases, on lui les fait pas comme ça. Sa zone. Les footies, la base, et voilà. Hop. Ça touche, super. Oh, le dragon a expiffé qui passe cette fois-ci. Paris en aérien. Et là, 0. Ah, voilà. Le bas petit pied qui fait le boulot, forcément. Ça passe. Ça ouvre sa zone tranquillement. Des paris à droite à gauche. Le dragon. Des footies tranquille, ça se fait là, ouais. Hop, oh, le petit pari avec un bas MP. Voilà, le bas petit pied, super, comme d'hab. C'est le Ken, forcément, ça passe. Allez, 0 là, prends-lui au moins un match, enfin, au moins un round. Toi, t'as super de charger. Allez, la bouboule qui parie, sa zone au pied. Ah, ça y est, la super. Oulala. Est-ce que Mitsu... Oh, le dragon. Ouais, non.
quand même. C'est bon. Zéro finit pas Fanny sous le lit. Il a récupéré, récupéré. Ah, on est... Ah, ok, le MP super, bon, forcément. Le classique du 3-3. J'en ai marre de me répéter, donc comme d'hab. Ouais, 1-0 pour Mitsu. Ah, le Dragon Rex en entière qui passe, propre. La 0, il n'a pas le droit à l'erreur, parce que moindre BMP, Mitsu il confirme ça. Voilà, l'overhead qui passe. Et voilà, donc c'est Mitsu qui remporte ce ranking de 3-3, ce premier ranking de 2016. 2017, pardon. Allez, on a fini par y arriver. Final Garou, merci pour votre patience, ceux qui sont encore là. Désolé, on a fait de notre mieux, c'est pas simple de passer d'un poste arcade à l'autre. En fait, on a un double système de capture. Et pendant qu'on fait une finale, on est en train de on prépare la suivante. Sauf que là, sur Garou, ça s'est pas enchaîné comme on voulait. Mais bon, ça, c'est des trucs qui vont s'améliorer. En tout cas, donc nous avons une finale qui va opposer Mitsu, qui joue Marco Rodriguez, face à Zero, qui joue Kane. Alors, ouais, je sais pas pourquoi les noms sont en US, c'est un peu pénible ça, j'aimerais bien avoir les noms japonais, mais c'est pas grave. Le son est un peu fort du jeu, je pense, mais bon, c'est pas grave, là, on n'a pas le temps de régler ça. Allez, en tout cas, Zero qui est bien dedans pour l'instant. Zero qui est en loser bracket, ouais, bien joué, bon Just Defend sur cette Fury anti-air. Donc là, c'est l'avant-dernière finale arcade qu'on a sur Garou. La prochaine sera sur... Fighting Layer, qui va opposer Mitsu à Rapper Tulier. Mitsu qui aura quand même réussi à faire 5 finales différentes. Belle perf. Et pour l'instant, en plus, il en a gagné déjà 2. Et il en reste encore 2 autres à jouer. Allez. Zero qui est là. Ouais. Bien joué. Oh là là, les gros dégâts, il était en top attack. Je sais pas si vous avez le son qui grésille comme moi dans le casque, si c'est le cas j'en suis navré. Garou c'est le seul jeu pour lequel on n'avait pas encore vraiment fait de test spécifique de stream, en fait on a un peu fait des sessions sur plein de jeux différents. Et Garou c'est un peu à la volée aujourd'hui. Ça a l'air d'aller, le son est un peu fort mais bon c'est pas grave. J'espère que ça grésillera pas trop dans la VOD. Oui c'est combo ça. Bien joué. Allez, un round partout suite à ce bon juggle de Mitsu. Je sais pas si c'est un juggle ou un unblockable, j'en sais rien, je connais pas assez ce jeu. Ouais, dragon breaké, mais c'est quand même pas hyper positif en garde. Allez, c'est parti. Ouais, il a bien évité la shop Limerick Charted. Allez, bien joué. Grosse catin. Bonne balayette. Allez, Schwartz, Lance, breaké, et là c'est parti. Ah dommage, il peut pas juggle derrière ça, pas avec des normaux en tout cas, peut-être avec un coup spécial, mais là il avait pas de charge, il venait de sauter en avant. Les charges sont courtes, mais pas à ce point-là non plus. Dommage, le Dragon Break qui met pas à terre. Ah là là, il aurait pu mettre mieux que ça derrière ce break, dommage. Mitsu qui avait une bonne opportunité de gagner le match, et donc c'est 1-0 pour 0. François, tu peux légèrement baisser le son du jeu, ça sature vachement son stream. Baisse-le un tout petit peu. Allez, on va essayer de... Salut mec, prends bien, t'as récupéré ton ventre. Ok, allez, on essaie de corriger ça au niveau du son. C'est encore un peu fort, mais on verra au prochain match. Prochain match, François. Allez, on est dans le stage... dans le stage de Marco, bien stylé. Ah, Dragon Break qui met pas à terre, c'est quand ça touche trop loin. Ouais, bien joué. Ah, dommage, ouais, il met pas gros point derrière l'overhead. Je pense que c'était peut-être un chariot raté. Je sais pas. Allez, grosse catin. Le Just Defend qui a raté. Ah, oh, ça sature beaucoup au niveau du son. Hein. Ça sature terriblement, mais c'est pas grave. On verra au prochain match. Oui, bien joué. L'overhead avant A. Ça c'est safe ça, non? Ah dommage, il rate le juggle.
Pas de juggle derrière cette double touche non plus. Just defend pas mal. Allez, dragon breaké. Là, il essaie de mettre les deux dragons. C'est pas vraiment une phase. Ouais, top attaque en juggle. Oh là là, ça fait des dégâts monstrueux. Hein. Les Marie Charted EX. Ouais, dommage, à chaque fois il fait le petit dragon. Peut-être qu'il faudrait faire le gros en fait pour que ça soulève en fait. Mais là, il y a le petit dragon qui touche mais sans soulever. Donc même avec le break, il n'y a pas moyen de comboter derrière. Ao Shokoken et deuxième match remporté par Mitsu. Enfin, demandeur d'attendre 2 secondes pour baisser un peu de son. Allez, on va essayer de juste corriger un peu le son. Choisissez pas votre perso s'il vous plaît. C'est encore très fort là. Ok, bon, bah on fera avec. Là, la volée, je peux pas corriger ça, je suis désolé. Bon, c'est pas grave, on fera comme ça, on fera avec. On va pas trop interrompre la finale, François, c'est pas grave. C'est pas grave, te prends pas la tête. Ouais. T'as pas un égaliseur au niveau de hitbox en fait? Bon. C'est, ça me pète les oreilles en fait. Hein. Ah ouais? Ouais. Bon, en attendant. Oh là là, c'est de pire en pire. Allez. Et bien joué, Zéro qui l'emporte. Alors avec cet enchaînement de Schwarzlands, Schwarzflame, Rose Cutter. Voilà, dragon pas breaké, tout de suite punition. Schwarzpanzer breaké, je crois, ou Schwarzlands, j'en sais rien, je les confonds. Bonne déchop de Mitsu. Le petit target, oui, bien joué, bon Just Defend. Ça Just Defend tout, pas de garde cancel. Ceci dit, ça remet pas mal de barres de vie et de furie. Et bien joué, le juggle. Fighting Layer, c'est prêt à enchaîner? Ouais, non. Allez, dragon breaké. Bonne balayette en whiff punish, ça c'est très bon. Allez, Zéro qui a la possibilité de reset le bracket, mais il est très en retard dans ce round. Et le petit contre, c'est quoi, c'est Caravan B ça? Et donc c'est la balle de match pour Mitsu, s'il remporte ce round, c'est la victoire. Bien joué, bon guard cancel Shokoken. Allez, Schwarzlands. Ah, c'est terrible le son, hein. Je suis vraiment désolé. Allez, Koken, c'est quasiment la victoire. Le Zéro qui est dans sa top attaque par contre, mais maintenant un combo côté... Oui. Et ça devrait tuer, c'est la victoire de Mitsu. Bravo Mitsu qui remporte son troisième ranking sur Garou. Et nous allons donc avoir la prochaine finale qui va avoir lieu sur Fighting Layer. Je vous invite à rester, c'est un jeu spectaculaire, même si vous ne le connaissez peut-être pas. On va voir ce que ça va donner. Félicitations à Mitsu en tout cas, hein, qui remporte son troisième 3-3 et quart 9. C'est une belle perf. Il a un bon Marco. Hein. Un bon Marco, c'est vrai qu'il les confirme. On va pouvoir attaquer la finale Fighting Layer. Et donc Mitsu qui va jouer Sessiu le ninja avec une burqa noire face à Rapper Tuguay qui joue une LAN avec des infinis. LAN un perso très complet, un des meilleurs persos du jeu. Sessiu qui est très fort aussi apparemment. Pas trop compris, j'essaie de le jouer un peu mais alors, pas trop compris les principes. La téléporte, je sais pas, c'est pas vraiment un reversal, hein. Elle a l'air d'être assez lente à sortir. C'est un Shoryu arrière-point. Pour l'instant ça joue relativement posé, ça met sa garde surtout. Ma Portugais de toute façon attend une ouverture pour essayer de faire l'infini. Allez, ça c'est quoi? C'est safe en garde ça? En fait il safe sa furie par une autre furie. Ça coûte 2 barres mais au moins il se fait pas punir. Pourquoi pas? En attendant, petite avance pour Rapper Tuguay, rien de conséquent. Ouais, en fait, elle a une très bonne dive kick, LAN.
Ah, pour l'instant, le niveau de jeu n'est pas très très bon. Pourtant, les deux joueurs nous ont habitués à mieux que ça. Et ils ont fait des très bons matchs juste avant. Ouais, bien joué ça. Mitsu qui confirme bien le bas moyen pied par une chaîne arrière et version, je crois, moyen pied, un truc comme ça, celle qui tape vers le haut. Pas sûr, à confirmer. Ouais, ça c'est safe ça. Allez, les pressings de rappeurs portugais qui sont pas très bien arrêtés. En même temps, Cessieux, c'est pas un perso. Oh là là. Alors le premier round était assez pourri en termes de niveau de jeu, mais vous allez voir, ça va probablement s'améliorer parce que les deux joueurs, ils ont quand même déjà pas mal appris le jeu. Ouais, ça c'est un Kara aircoin de Cessieux, ça a l'air de faire pas trop mal anti-air. Ça sort relativement vite. Allez, ça, ça fait des bons dégâts. Le portugais qui cherche des décalages en fait pour placer son infini. Je crois qu'il a l'air obsédé par le fait de placer son infini. En fait, il maintient un espèce de jeu neutre à mi-distance pour essayer de faire ça. Là, c'est un Cessieu qui a un style de jeu très replié sur lui-même en fait. On va voir ce qu'ils arrivent à faire. Allez, bien joué, bien confirmé ça. Allez, la furie qui fonctionnera pas. Donc là c'est quand même, il y a déjà un round à zéro pour Mitsu. Pour l'instant le burst n'a pas encore été claqué d'un côté et de l'autre. Ouais, bien joué, il confirme cette furie. Directement rappeur portugais crame son burst, récupère ses barres de furie. Pardon ? Allez, ça continue. Changement de commentateur pour la fin. Alors oui, bon bah là c'était un premier round, je sais plus, c'était pour Mitsu. Allez, 1-0 pour Mitsu, il a pris sans trop de problème son adversaire, rappeur portugais. Allez, directement la super multi-hit. Dommage qu'on puisse rien mettre après cette super. C'est quand même un jeu où on peut faire plein de choses avec la super de plusieurs personnages. Et malheureusement là-dessus il peut rien y faire. Allez, parfait. Ah dommage, il a pas pu mettre un combo derrière son champignon de hit là. Il y avait sûrement moyen. Mais bon après il faut quand même un peu maîtriser le jeu. Bon bah c'est compliqué hein, pour rappeur portugais, il s'est fait éclater sur ce match. Est-ce que ça va être safe ça? La punition n'est pas forcément optimisée par Mitsu. Bien joué la dive super. Avec quelques frames d'invincibilité, attention là il est au zéro vital absolu. Rap portugais qui perd le round. Allez champignon, phase de champignon. Bien joué là, l'entière, air to air. Allez bien joué, ouh le clash là. Réaction de Mitsu. Bien joué, joli combo là, il lui enlève quand même presque ouais, 25% de vie. C'est bien joué, et là encore les combos, bien joué, confirme toujours rappeur tunier, c'est très très propre. Allez, combos, ah dommage, pas de juggle. Un beau petit succès aujourd'hui, Fighting Layer, 20 inscrits pour sa première édition. C'est le, pour le moment, on peut considérer que c'est le plus populaire des season games qu'on ait fait à Lyon, donc c'est bien cool. Je crois que Vampire Savior a sa meilleure édition, la dernière, et on était à 21 ou 22. Donc là, dès la première, c'est beau, bien joué, punition de la, ouais, punition du champignon direct. Et c'est victoire de Mitsu, premier champion de Fighting Layer à Lyon. Voilà. Et ben, messieurs et mesdames, c'est la fin de ce ranking. Plusieurs heures de streaming, là, 26 gigas de streaming, c'est énorme. On se retrouve dans un mois pour le ranking numéro 2 de l'année. Même jeu, tout pareil, voilà, même heure, on commencera à streamer vers 14h. Peut-être qu'on streamera pas 2x, cette fois peut-être qu'on streamera autre chose que 2x pendant toute la journée. Donc on essaiera de varier les jeux au mieux en améliorant notre setup, parce que c'était très très fatigant aujourd'hui de passer d'un setup à l'autre pour streamer. Voilà, merci, merci Zargat, merci tout le monde, et à la prochaine, ciao.